Salut à tous, c'est Kimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a avancé dans Square Piece, vous entendez la petite musique, oui. Et j'ai un nouveau fruit, et ça c'est intéressant. Vous allez le voir dans la vidéo. Et je suis accompagné de Senso, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à Senso, ainsi qu'à ma deuxième chaîne, qui est toujours disponible, Wasabi Games. Allez-y, abonnez-vous aux deux chaînes que je viens de vous montrer. Et on est parti sur le jeu. Ouais. Et n'hésitez pas à liker quand même, c'est très important. Hein. La chaîne ici, là, vous croyez qu'on rigole? Bien sûr que non. Alors, je vais régler un peu ma cam. Là j'ai perdu un peu. Oh. Tac, là c'est beau gosse. Je suis pas accompagné de Maca pour une fois. Eh oui. Alors, tac. Là on est sur un serveur privé du coup et on va commencer notre aventure comme d'habitude quoi. Exactement. Je suis avec Senso. Bien sûr. attends, il écrit quoi sur mon pseudo Senso? Il a écrit Wasabi Nem Nem et sur le plan il a écrit autre chose. Ah ouais, Numpad, je vois, Numpad. Ouais, il y a eu une petite erreur, tu vois. Voilà. Alors, on va commencer par un truc déjà, on va faire des petits showcases, tu vas montrer quel est ton fruit. Eh ben écoute, moi j'ai le fruit du démon attends, type feu. J'augmente juste un son, je viens de remarquer qu'il n'était pas... Voilà. Là, normalement, elle devrait bien t'entendre. Du coup, je disais, j'ai le fruit du démon de type feu. Ouais, le flame. Celui qui est juste en dessous de toi, exactement le flame, comme t'as dit. Bah montre-moi les attaques ici, hein. On sort des meubles là-bas, vas-y. Dis-moi, ouais, bien sûr. T'as pas une grosse area? Si, j'ai une énorme area. Normalement, si je fais ça, tu me touches pas, j'espère. C'est une bonne question. Là, tu vois, je charge mon attaque. Et plus tu charges, plus tu fais de dégâts. Et quand tu lâches, bah ça fait une méga explosion qui t'a tué. Exactement. Fallait mettre ton analyse peut-être. Il y a des analyses ici ou pas? Non, malheureusement, il y en a pas. Parce que le système de crew est encore buggé. Du coup, on peut pas trop mettre d'Ali. Dédicace à Ali, on est là. Dédicace à Guillaume aussi, en parlant de ça. Il m'a donné le fruit, le lightning. Vous allez voir après, parce que Senso il a encore d'autres attaques à montrer. Parfait. Après, je peux voler, genre comme ça. Ça va vite ou pas? Ça va méga vite, mais ça te consomme assez ta stamina quand même. Je me demande s'ils ont pas pris cette attaque d'un autre One Piece, un truc comme ça. Moi, je pense que ça vient d'un autre One Piece, ouais. Y'a moyen, ils ont juste changé la couleur. Pour faire ça, ouais. Enfin, après, je sais pas, peut-être, mais... Ensuite? Peut-être d'autres attaques? Ouais, j'ai cette attaque-là, donc que je peux charger aussi. Ça, c'est juste un coup de poing enflammé, tu vois, qui fait une explosion. Et qui me tue qui aussi. Qui te tue aussi. La hitbox, ouais. Elle est méga énervée. Ouais, les ranges sont très, très... La portée, elle est incroyable. Ensuite, je suis loin, là, je te vois de loin. Peut-être que tu vas pas me tuer. N'hésitez pas à mettre hashtag RIP dans le chat, vu que je suis mort 40 000 fois. Après j'ai ça aussi, mon F que je peux charger, et qui fait une météorite. Et qui m'a tué encore? Et qui t'a encore tué. Ouais. Ouais, la hitbox elle est méga cheat. J'espère qu'il y avait ça. On m'avait dit, en plus il m'avait dit Guillaume, il m'a dit ouais, fais attention, la hitbox elle est énorme. Une dernière attaque ou c'est terminé? Alors laisse-moi vérifier, j'ai le fly, j'ai le purpose. Non, j'en ai que 4. Exactement. Ouais. Moi je peux pas voler, par contre je peux faire envoler mes amis ou mes amis. Ah cool. Moi ouais, j'ai pas fait exprès. Ça ouais. C'est un TP. Mais j'ai pas fait exprès. Oh mais par contre après, ça. Ouais. Oh j'XP plus rapidement là en fait. Ah ouais, clairement toi t'as le meilleur fruit du jeu. Hein. Clairement niveau range, niveau tout, toi t'es parfait. Hyper hein. Bien. Ah c'est sûr. Attends, du coup là c'est Lightning Teleport, du coup je fais une TP où je veux. Exactement. Et les PVP ils sont bien ou c'est vraiment what the fuck? Le PVP est compliqué. Après, si t'as un bon fruit comme le Lightning, bah c'est quasi du one shot quoi sur regarde, les. Regarde, j'ai touché tout le monde, même là-bas là. Tu gères en vrai. Hein. En plus, ils peuvent pas te toucher parce que bah parce qu'on est des Logia quoi. Ouais, et on est des Logia, c'est bien ça. Exactement. Mais attends, mais c'est. T'as vu ça, hein, c'est one shot, j'aime bien. Du coup là, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire vu que je suis nouveau dans le jeu et tout? Regarde de là, ce que je te conseille. Du coup ça arrive, regarde, toute la map. Ouais. Bah punaise, en vrai, ta range elle est encore plus énorme que la mienne. Ouais, j'ai l'impression. Mais du coup, faut que je vous montre vite fait les attaques. J'en ai quoi? Il me restait une autre à montrer. Quand t'appuies sur stats, tu peux voir tout ce que t'as monté. Genre moi je suis déjà à 800 de stamina, c'est le truc le plus facile que tu peux monter. Donc plus t'as de stamina, plus tu peux faire d'attaque. Mm-hmm. Et voler avec les pas de lune, qui te servira pour le haki plus tard. Donc là, tu peux avoir le haki comme ça, sur tes bras, ou alors sur tes épées. Je l'ai pas sur les deux épées. J'ai que 19 exactement.
Dernière attaque, attention, ça arrive dans 2 secondes. Oh la méga explosion. Ah ouais, ça fait une grosse boule. Ah, coup, elle est très joue. Cheatée. En vrai, les jeux, on peut dire que c'est le One Piece le plus cheaté de tous en fait. C'est ça. C'est vrai. Bon, la première chose qui est bien à faire dans ce jeu, c'est aller près de le Traveling Merchant, donc okay. Le marchand de voyage, et d'acheter la boussole. Tu n'as pas encore assez, malheureusement, c'est 50 000. Je sais pas si tu peux. Hop. En gros, cette boussole, elle va te servir à avoir un petit panneau à droite, et quand tu appuieras sur une île, ça t'indiquera vers où est l'île. En gros, Skypiea, c'est par là, Shelltown, c'est par là, et tout ça. Stylé, en gros, la boussole de Nami, quoi. Exactement. Et du coup, là, faut du XP, c'est ça? Voilà, là en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux aller près des singes déjà, donc prendre la quête près des singes. Bah, en vrai, je pense que je peux les toucher dès d'ici, hein, les singes. Est-ce qu'il faut prendre de quêtes ou pas? Ouais, tu peux prendre des quêtes. Après t'as des scrolls, donc le premier il est à 500 000, donc ça te permet d'avoir deux fois la même quête. Ensuite 1 million et ainsi de suite. T'as pris deux quêtes? Ouais. Tu me dis mais comment ça se fait, Hakim? Eh bah c'est très simple. Guillaume hier m'a donné un truc qui permet d'avoir deux quêtes. Et oui, et ça coûte très très cher. C'est vrai que ça coûte extrêmement cher. Genre moi pour les 5 quêtes j'ai dû dépenser 2,5 millions. En fait je touche tout le monde, j'ai pas besoin de les frapper là en fait. Exactement. Après le truc c'est que... bah c'est cool parce que... ils te font pas de dégâts mais toi tu leur fais des dégâts, du coup c'est easy farm quoi. En vrai ouais c'est easy de ouf. C'est easy farm hein, de fou. Et du coup ma quête elle est terminée. Exact. Et là je suis à 40 000. 40 000 de thunes? Ouais. De berry? Ouais, ok. Ça va avec un fruit en fait, le jeu il est qu'un seul plus simple en fait. Ah, il est super simple avec un fruit, mais pour l'avoir c'est la galère. Hein. Soit tu te mets en serveur privé et t'attends, soit tu vas le payer. Eh les abonnés, je compte sur vous dans le chat là, dans les commentaires, de mettre quel est le meilleur fruit et surtout si vous avez des fruits et vous savez pas qui le donner, mettez-le dans les commentaires. Comme ça il y en a, ils vont s'entraider, etc. etc. Que ça serve à quelque chose. Mon chat. Parfait. Hop. Après, si tu veux, on peut aller voir sur une autre île ce qu'il y a à faire. Bah, attends deux secondes le temps que je ferme juste vite fait genre, mes 50 000. Mm-hmm. Et ensuite, il me reste combien? Je suis à combien là? 48 000. Il me reste 2 000. En vrai, je peux les. 2 000, je peux les avoir rapidement dans une autre île, non? Ouais, il y a moyen. Après, sur les autres îles, les quêtes sont un peu plus compliquées, mais je peux leur mettre des coups d'épée et tu me finis si tu veux. Il me reste plus qu'un petit 1000 là, un petit 400. Comme ça, tu peux déjà montrer ce qui est la vlog ici. Ouais, on va vlog partout. Je sais pas ce qu'il y a de temps, mais ouais. C'est bon, j'ai à 51 000. Nickel. Parfait. J'ai acheté la petite traveling. Exact. Nami, elle appelle ça, c'est un log post ou un navire? Si, un log post. Ouais, un log post. Log pause. Voilà. Log pause. Log pause. Et du coup, il. Ah, stylé de ouf! En fait, voilà. On a même pas besoin en vrai. Choisir. Ah, et du coup, ça nous TP directement? Non, non, ça te TP pas, ça te montre juste la direction vers quelle île il faut aller quoi. Et là, ils me disent là, à gauche exemple, là. Là. Ouais, là, tu peux sélectionner à droite, normalement, t'as une petite fenêtre où tu peux sélectionner l'île en appuyant sur le nom. Ah, du coup, et ça la te montrera. Exactement, c'est une track d'île. N'hésitez pas à acheter nos skins d'ailleurs qui sont sur le groupe. Petite pub. Tout à fait. C'est très important de regarder le petit logo Ascenso là. Je sais pas s'il l'a mis en vente. Mais moi en tout cas je l'ai mis en vente. Et NG, t'inquiète. C'est Zuki. Il est bien fait en vrai. En vrai, ouais. J'aime. Alors. Ce que je. Oh, il est pas mal ton bateau. Il est incroyable. Il ouais, est c'est incroyable en vrai. Moi aussi je veux un bateau comme ça. Il coûte combien? Il coûte 50 000. Ok, d'accord. Bon bah je vais rester ici. Et regardez mes pouces. Moi, ce tu que veux conduire pas trop... Non, non, vas-y, vas-y. Ça va jusqu'à combien celui-là? Bonne question. Attends, parce que là on est bloqué. La vitesse maximale. Ouais, elle est quand même assez haute. Hein. C'est 99, 99. Hyper cool en vrai. Parce que moi, le mien que j'avais tout à l'heure, 25. 25. Très très petit. Et du coup, là, on va où? Là, on va aller vers Shelltown, si je me trompe pas, et on va aller voir où tu peux avoir tes sabres. Et là-bas, il y a la marine aussi. Tu penses que tu peux les avoir facilement? Je pense que si tu fais deux fois, trois fois la quête, il y a moyen que tu les aies. Ah ouais? Ouais, les premiers, ils coûtent pas du tout cher. Je crois que c'est 100 000, un truc comme ça. Mais du coup, en fait, tu peux être illimité au max, en fait. Il n'y a pas d'arrêt au stats, non?
Bah là, pour l'instant, mon stats le plus haut, c'est la stamina, qui a 800. Uh-huh. Et ça s'arrête... j'ai l'impression ça que c'est bloqué à 800. Ah, c'est bloqué. Ouais, j'ai l'impression. Je suis pas ah, sûr. Ah, il avait mis stats cap à 800. On regarde dans, le, dans la première page. Pourquoi il y a un mec là-bas? De quoi? J'ai vu un mec. En fait, dans la page quand t'arrives, il y a écrit stats cap 800. Ah bah, je suis arrivé au max de stamina. Ouais. Prends ton cristaux ici. Quand t'appuies sur les cristaux, tu peux mettre ton spawn. Bon, c'est un classique. Hein. Pas très classique que ça. Aïe, si, si, c'est classique. Ah en ouais, fait, fais gaffe. Je sais jamais. Le karma là qui arrive. Ah là, l'eau ça fait mal. Ah l'eau, on peut dire que ça fait mal. T'as 950 000 de bounty, c'est incroyable ça. Ouais, c'est... Ouais, ça va, y'en a, ils sont beaucoup plus que moi. Du ici coup, t'as Zoro. Ouais. Et là tu peux lui acheter les sabres quand même, et faire la quête en même temps. Ah ouais, mais moi ils vont me fumer en fait. Je sais pas s'ils arrivent à te toucher en fait. Du coup, attends, je vais leur mettre un coup d'épée. Aïe, 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 mais en fait je suis mort. Aïe. Ah ouais, même moi, ils me font encore vachement mal en fait. Très chaud, hein. C'est chaud. Ça va être très très difficile. Après, moi je les ai laissés me frapper, ça c'est différent, mais... Après, ça va, c'est assez facile de farmer dans le jeu quand même. Aïe, c'est aïe, pas le contre... jeu le plus compliqué. Non, non, c'est pas le jeu le plus compliqué. Par contre, faudrait que je prenne la quête, non? Ouais. Elle est où la quête? Tu... Ah, c'était là-bas où on était. Oh, ouais. Je vois tu la galère. Tu l'as déjà fini? De quoi? Non, en fait, quand je suis mort, il y avait plus la quête, je crois. Ah, si, ah, si, elle est là, là. Non, j'ai rien dit. Faut que t'appuies sur quest en bas à gauche. Ouais. Mais du coup, tu penses que je vais pouvoir la faire, la quête? Je pense pas. Hein. Ah, j'ai une idée. C'est bon, j'ai une idée. Oublie pas que j'ai une range de fou malade. Je mets tout en haut. Je vais utiliser mon attaque. Eh oui, il faut. C'est pas du use bug du tout. C'est juste pas technique, c'est tout. Juste ma technique, voilà. Chacun sa force, quoi. Exactement. Je vais leur mettre quelques coups d'épée, comme ça, tu... Exactement. Les avoir forcément. D'après ce qu'il m'a dit, Sensei, peut-être qu'il en fera différentes vidéos sur ce jeu. Peut-être bien. Je suis assez haut niveau, en plus. Et j'ai vu un mec qui avait fait un guide de jeu. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Ouais, du coup, je me suis dit, pourquoi pas refaire ça, ou... Oh non, je suis un guide du débutant. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Je suis bloqué, là. Je peux pas sauter, moi. Mais ils veulent pas mourir, hein. C'est vrai qu'ils sont chauds, mais là... Attends. En vrai, je peux pas les frapper avec mon épée parce que je les one-shot. Du coup, c'est problématique, ça. Si tu mets ton attaque, tu one-shot moi, en fait. Ouais, exactement. C'est ça qui est problématique. Du coup, moi, avec ma stamina de 15 secondes, là, ça va être un peu chaud. Ah, tu peux plus attaquer à cause de ta stamina. Non, je peux pas. Aïe, peut-être aïe, mes stats, aïe. Je peux faire un truc. Attends, je regarde. Hein, peut-être comment si je attaque avec mon free, peut-être. Vas-y. Pourquoi ça attaque pas, là? Attends, je vais essayer avec mon électro, moi. Peut-être que... Ah, je les one-shot pas comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Tiens, tu peux l'attaquer, lui. Non, je me mets ici. Nickel. Voilà. Ok, là je suis bien, là. Bon, j'ai fait un peu de dégâts, mais aux deux. Là, j'ai fait un marine. Oh non. Après, quand tu vas à Skypia, tu débloques d'autres pouvoirs. Donc là, pour l'instant, les pouvoirs que t'as, c'est l'électricité, le haki, Sanji, donc la jambe noire, et l'épée double et l'épée simple. C'est tout ce que tu peux avoir pour l'instant. Ah, du coup, c'est un peu galère. Exact. Sachant que Sanji il a 250 000, Skypia il faut que t'aies au moins 200. Enfin. Ah, j'ai terminé 100 la quête! De stamina. Les deux quêtes. Et tu m'as dit qu'il était à combien? Les sapes, ils de quoi? Les sapes, ils étaient à combien? Les sapes? Ouais, les sapes pour 2 euros, ils étaient à combien? Ah oui, le premier, je crois, il est à 100 000, si je me trompe pas, et le deuxième, il est à 700 000. Ah ouais, mais en fait, je les aurais pas en fait, là. Faut que je le fasse au moins 4 fois. La quête, elle te donne pas autant que ça? Bah, elle m'a donné que 27 000. Ah ouais, non, c'est pas ouf, du coup. Ce après, qu'on pourrait faire... Je peux faire une petite coupure sur le truc. On voilà va à l'arène et genre... Je suis de retour. Voilà. On va voir si le sabre de Zoro, je vais pouvoir l'avoir. Attends, ça, 100 000, en fait. Si, c'est bien 100 000. C'est bien 100 000, effectivement. Toi, t'as pas l'autre sabre, là? À 700 000, tu l'as pas? Si, j'ai bien évidemment le sabre à 700 000. C'est lequel? C'est les doubles sabres, c'est le Suzaku and Kitetsu. Ah, par contre. Donc les deux sabres de Zoro, quoi.
Ah ouais, mais par contre, c'est des... Oh, ils sont 15 fois mieux que Bloxfree, en fait. Ah, les animations de sabre, ils sont stylés. Sachant que t'as 3 attaques de sabre, si je me trompe pas. Et pour avoir les 3 sabres, je dois faire quoi, 700 000 ? Ils n'existent pas encore, je me suis renseigné, mais malheureusement, il n'y a pas encore les 3 sabres. Et pour l'instant, t'as que les 2 ? Moi, j'ai que les 2, ouais. Et le deuxième, il coûte 700 000. Ouais, exactement. Oula, ça va coûter un peu cher pour moi, tout ça, là. Le haki aussi, il coûte 700 000. Le truc de jambes noires. Où est-ce que je pourrais farm de ouf ? En vrai, là où tu farm le plus, c'est les buggy pirates, donc les pirates de buggy. Mm-hmm. Et c'est à... je sais plus exactement où. Mais c'est super chaud, même moi j'arrive pas à les défoncer facilement. Et malheureusement, je peux pas t'acheter ton truc de quête parce que c'est 200... enfin c'est 2 500. Non mais en tout cas là déjà j'ai montré plein de choses sur la vidéo. Du coup exactement. Si les gens voulaient une suite à ce genre de choses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aux deux chaînes. À ma chaîne, à celle de Senso. Autre chose à dire à Senso ? À Wasabi Games aussi ? Ouais. Non. Non ? Abonnez-vous. Ah oui, Senso il m'a dit qu'il allait faire plein de vidéos sur ce jeu, donc allez vous abonner à sa chaîne. Qui sait ? Peut-être. Peut-être qu'il va vous montrer. Peut-être des lives, hein, qui sait ? Ça serait bien ça, effectivement. Voilà. Abonnez-vous. Très bonne idée. Je fais ça à chaque fin de vidéo, abonnez-vous, et c'est tout.